Bon, je viens de galérer à rassembler tous les enregistrements de cette vidéo. En plus, il y a l'ordi qui plante de merde, qui arrête pas de s'éteindre tout seul. En plus, il y a l'intro qui était épique que je viens de supprimer. Alors, tu vas me laisser 200 likes sur cette putain de vidéo parce que là, il y a de la marre. Putain! Voilà, bonne vidéo. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Bon, est-ce que t'as déjà été à la mer? Bah oui, hein, plein de fois avec toi. Oui, de la mer. Alors c'est quoi la particularité de la mer par rapport à un lac? Bah il y a du sable. Du sable et c'est tout? Eh bah non, il y a des grandes vagues. Et quand tu vas dans l'eau, il y a quoi? Des crabes. Mais oui, mais dans l'eau. Dans l'eau, il y a... Qu'est-ce qu'il y a de dissous? C'est quoi? Dans l'eau. T'as déjà bu une tasse de eau du lac? Non, mais bah, il si, y a du sel dans la mer. Bah voilà, c'est ça. Il y a du sel, la baleine. Oui, mais ça pique les yeux. Attends, le sel... Ah, mais purée, c'est les baleines qui mais font non. le sel. À ton avis, comment est-ce qu'il y a eu du sel dans l'eau? Bah, les baleines, ils se sont mis à fabriquer du N'importe sel. Quoi. Ils ont fait des grosses usines. En fait, tu vois, l'homme, quand il ouais. fait pipi, il y a du sel dans son pipi. N'importe quoi, toi. Et bah, en fait, c'est, tu vois les avions. À force de passer oui. au-dessus, eh ben, ils lâchent leurs toilettes. Puisqu'il y a des gens, ils font pipi dans caca dans les toilettes des avions. Mais oui, mais... Eh ben, ils tirent la chasse et puis ça va dans les airs et puis dans l'eau, ça retombe. Oh, bah... Et du coup, bah, c'est salé maintenant l'eau. Mais... Parce qu'en 1900, il n'y avait pas d'avion, donc l'eau, elle n'était pas salée. Sauf que ça tombe pas toujours dans l'eau. Donc ça peut tomber sur une Ah bah si, parce qu'il largue, seulement dans la mer. Hein. Ah bon ouais, mais comment Tu savais pas que c'est pour ça qu'il y avait du sel dans la mer? Non, je le savais. Bah c'est normal, c'est pas ça. Mais... Elle y a cru. Bah quoi? Mais n'importe quoi ici. Bah c'est quoi? Oh, je sais plus, je l'ai su. Mais bref. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la mer? Il y a... Des poissons. Des pieuvres. T'as déjà vu une pieuvre? Non. Une étoile de mer? Non. Un calamar? Non. Une sèche? Non. Pourquoi tu veux me parler de la mer si t'as jamais rien vu à la mer? J'ai déjà vu une méduse sur le point de mourir, mais une méduse... Zzz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 
T'as crié comme une mouette. C'est normal, c'est sur la mer qu'on parle. Et moi, je vais donner un nom à ma voiture, tu vas voir. Ah, t'es complètement naze. Ah bah les bateaux, ils ont bien des noms. Oui, bon. Et du coup, c'était une marée noire, ça. Ah bah oui. Mmh. Et donc, c'est arrivé sur la plage. Mmh. Et c'est le livre qu'il raconte aussi. Hein. Et donc, hein, un livre, il parle. Non, non, mais c'est dans le livre. Donc en fait, donc voilà, les galettes de pétrole qui sont arrivées sur la plage comme ça. Galette, j'aime la galette. Qu'en savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du pétrole dedans. Quand elle est bien noire, flambée ou à la poire. Bon, alors voilà. Et donc l'histoire, c'est je te sauverai. C'est un petit gars. Je te sauverai. Savez-vous comment? Avec des galettes au pétrole dedans. Alors en fait, donc voilà. Et en fait, le petit garçon, il s'appelle Alan. Mmh. Et donc en fait, un jour, et ben voilà. Donc il sait pas parler. Et oh, donc... c'est trop long. La surpêche, attends, Rachel. La surpêche. Je m'en fous de ta surpêche. Mais non, moi, la surpêche, c'est des gens qui volent les poissons qui sont en voie de disparition. Oh, du coup, il y en aura bientôt plus de poissons. Quoi? Et en plus, il y a plein de méduses de plus en plus et ils mangent les poissons qu'on a besoin. Oh, c'est dommage que les méduses ne soient pas en voie de disparition. Bah oui. Hein. Non, ça, elles sont on surpeuple les méduses, surtout au Japon. C'est quoi un surpeuple? Bah, ils sont trop. Oh, je veux les tuer, les méduses. Je veux plus qu'il en existe, les méduses. Et bah, parce que les méduses, c'est méchant. Voilà. Bah, c'est pas volontairement aussi. Bah, si, hein. Bon, t'as rien d'autre à rajouter? Comment mangent les méduses? Ça, ça me sert. Et bah, si, ça prend dans le chapeau, là, tu vois, il y a une petite poche. Dans bah, si, c'est ça. Et ça digère. Comme des plantes carnivores, ça filtre. Tu prends dans le chapeau. Hmm? Mais oui, mais. Et où est-ce qu'il y a un trou? Bah, en dessous, hein. En dessous? Mais où en dessous? Au niveau des tentacules. Mais oui, mais ils vont pas. Les poissons, ils vont pas rentrer dans si. Les tentacules. Si. Ah bon? Comment ça fait? J'en sais rien, moi. Et ben voilà, c'est le secret des méduses. Personne ne le sait. Personne ne le saura jamais. Et ce n'est pas dans cette vidéo que nous allons vous le révéler, car c'était Check Dacrou pour une nouvel épisode de La Vérité sort de la bouche des enfants. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit. Allez, à plus les gens. Allez, à plus les gens. C'était Rachel. Bye 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 bye.